années 1880, Eugène Boudin représente l'avenue de Villers, entrée principale de Deauville, aujourd'hui avenue de la République. L'artiste, né à Honfleur en 1824, est l'un des premiers peintres à saisir en plein air les paysages. Connu pour ses représentations de bord de mer, il s'installe en 1884 à Deauville, y fait construire sa villa La Breloque, où il passera les 14 dernières années de sa vie. On reconnaît ici l'Hôtel de l'Europe, un des plus anciens hôtels de Deauville, et au premier plan, des calèches et des passants. Les arbres qui bordent l'allée principale forment une longue perspective et un effet de profondeur. La lumière et les teintes du ciel sont représentées de manière subtile par Eugène Boudin, ce qui confirme qu'il est bien le roi des ciels, comme le disait Camille Corot.